Hello à tous, bienvenue sur Kao Gaming pour ce cinquième épisode, cette fois-ci je le dis, de Prince of Persia, l'âme du guerrier. Je suis avec Yuma, salut Yuma. Salut Kao, et oui, le cinquième épisode, nous y voilà enfin. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avant? Alors, Te ce qu'on souviens-tu? a fait avant, tout simplement, on a ouvert le dernier verrou. Alors, on va On l'ouvrir. va l'ouvrir, voilà. On s'est fait poursuivre par le Daka. Oui, tout à fait. Il n'y a pas eu vraiment de choses très importantes hein, dans le dernier épisode. Non, on est dirigé vers le mécanisme Ouais, d'horlogerie. voilà. On a passé tous les engrenages. On a croisé encore une fois le mystérieux gars, là, on ne sait pas ce que Tout c'est. à fait, oui, celui-là, j'avais oublié. Et puis voilà, le verrou se trouve là-haut, là. Voilà, il va falloir monter là-haut, puisque nous sommes dans le bon temps, dans le passé. Et donc Voilà. on s'était arrêté avec ce gros machin qui nous balance les chiens qui explosent donc. Exactement. Et tu t'es déjà fait avoir, pourquoi tu ne bois pas? C'est une bonne idée, je n'y avais pas pensé, tout simplement. Voilà, et on avait fini aussi avec une nouvelle grade de vie aussi. Tout à fait. Voilà, allez! Ah, rien de concluant pour l'histoire, on va dire. Non, c'est vrai. On a juste croisé Ce l'eau. mystérieux. Ouais, ce mystérieux personnage. Mais c'est tout. Il va falloir aller vite là. D'accord, bon. Hein. Ok. J'ai compris. Allez. Qu'est-ce qu'il est bien ce pouvoir? C'est le moment. C'est tout? Oh. Faut pas traîner avec lui, hein. C'est sûr. Alors, oui, il faut pas rester trop ici parce qu'il peut quand même nous. Il peut quand même nous avoir, hein. Là. Oh, mais il est juste là, dis donc. Oui, il est juste là, oui. Coucou. Blablabla, blablabla. Il t'a vu, je crois. Ok. Moi aussi, Oh, je m'énerve. il s'énerve contre un pauvre petit tonneau, hein, quand même. Bon, je peux pas aller là. Allez. Après, t'as une échelle. Oui, je pensais qu'il y avait quelque chose là-haut. Petit objet secondaire. Ah oui, mais si tu peux pas y aller. Ah! Enfin. Ah, bah très bien. Merci. C'est ce que je voulais. Je voyais pas les choses comme ça, mais oui. Mais je m'en rappelais plus, donc ça tombait plutôt bien. D'accord, mais je pensais pas. Tu peux pas Derrière, je t'accrocher. pense. Si. Ouais. Toujours le réflexe, pareil, Assassin's Creed, dès qu'on est coincé quelque part, trouver un endroit où s'accrocher. C'est un peu ça l'idée. C'est. Oui. Hop, alors ici on était déjà venu dans le présent. C'était moins sympathique. Oui, tout à fait. Là, c'est quand même un petit peu plus habillé, on va dire, hein. Plus présentable aussi. Oui. Hop. Voyons. Oh, la jolie roue. Bon. Ok. Allez, on casse tout ça. Là. Dis donc, ça l'énerve les tonneaux, hein. C'est clair. Il aime pas ça, hein. Ça passe. Ça passe. Alors autant aller par là direct. Là. Et là. Parfait tout ça. Alors, ne traînons pas, on sait jamais si l'autre peut nous viser encore. Non, pour l'instant, on n'a pas. Ou plutôt. Ouf. C'était limite. Ouais. Pas bien de jouer avec le feu là, petit prince. Il joue pas avec le feu, lui, il joue avec le temps. Oui. C'est clair. T'as un ami. Ouf. Il
peux me viser encore, le sérieux. Ouais. Aïe. Allez. Couchez. Ça va, ils sont pas trop méchants. Non, ça va, ils sont cool. Y a que lui, en fait, qui est... Oui, encore, hein, il en envoie pas tant que ça. Hein. Je vais plutôt aller là. Y a pas grand-chose à première vue où j'étais. Allez, là même. Non, pas ici. Je suis là. Oh, voilà. Bien visé. Merci, petit ascenseur. Hop. Ici, il n'y a rien. Oh, allez, monte. Enfin. Fais pas ta majorée. Alors ici, bah pareil, même combat. Ah mais en fait on avait changé d'endroit. Bon, on est de l'autre côté en fait. Ah parce que moi j'étais complètement perdu là. J'ai l'impression qu'en fait tu recommençais, je me suis dit, c'est bizarre. Pas du tout, non, je suis exactement de l'autre côté. Voilà, j'ai la roue en face qui se met en place. Parce que là franchement, si tu l'avais pas dit, j'aurais cru que t'étais en train de recommencer la même chose. Non, non, pas du tout. Non. On voit que ton sens d'orientation est toujours aussi bon, même dans les jeux. Merci, K.O. Tiens, ça t'apprendra à garder des soucis. Et c'est tout alors. Hop. Voilà. Au moins, quand on est accroché, on est tranquille. Alors. Bah, même combat, du coup. Yes, c'est bon. Ici, il n'y a rien. Voilà. Encore un. Ouh, il a du mal. Allez. Ouais. Allez. Hop. Alors. Voilà. Ici, il n'y a que dalle, mais là, il y a un petit passage. Oh, une image. De ce côté, il n'y a rien. Non. Je sais pas s'il faut que je secours. On va faire comme ça. Ouais, c'est bien comme ça. Coucou. Il a pas aimé. Il a même pas eu le temps de se retourner qu'il était déjà mort. T'as une échelle. Hein. Ouais, il aime toujours pas les échelles. Je sais pas pourquoi, il veut pas s'accrocher, mais... Peu importe. Oh là, oula. Ah, ouh. Où il est? Je ne le vois point. Non. Ah, c'est de l'autre côté, je dirais. Ouais. Ah oui, là, je peux m'accrocher. Mais il est où? Alors, apparemment... Ah, bah, il est là-bas. Ce que j'allais dire, apparemment, lui, il nous voit, mais... Voilà, je suis revenu au point de départ, sauf que cette fois-ci, j'ai levé la plateforme au milieu et je vais pouvoir l'affronter, le petit. Oh, il est pas coquin, hein. En même temps, depuis le temps qu'il t'envoie les chiens, il doit pas être content de te voir encore en vie. Même principe que les autres. Aïe. Hein? Même principe que les autres. Oui. Allez. Hop. Oui. Ça va. J'ai juste à me protéger une fois de ses attaques quand je suis sur son dos. Chose que je n'aurais pas pu faire si j'avais choisi l'horloge en premier, je le rappelle encore une fois. Bon, ben voilà. Ah oui, remontez-moi. Alors ça, c'est d'où je viens. Hop, nous, on va par là. Voilà son stock de chiens. Il y en a plus, comme par hasard. Allez, on monte. Oui, par là. Ah, loupé. Oh, l'échec. Là. C'est mieux comme ça, déjà. Beaucoup mieux. Oh, le petit engrenage qui sort pour faire chier. Ouais. Hop, allez.
Une porte fermée. Oh, et voilà le petit pont. Le petit pont. Qui permet d'aller jusqu'à ce fameux levier. Putain, c'est trop beau. Aïe. L'autre il reste coincé derrière. Voilà, très bien. Aïe. Ouf. Bon, c'est pas grave, au moins j'y suis arrivé. Oui. Voilà, tu vois, j'ai ouvert les trois espèces de trucs. Oui, d'accord. Voilà. Et j'ai plus qu'à pousser ça. Ouf. Voilà, les engrenages se mettent en marche. C'est très bien pensé. Ok, de temps. Tandis que j'essaie d'activer les tours, l'impératrice travaille à la création des sables. Ça ouvre la porte en face. Et surtout. Le dernier. Et voilà! On y est! Enfin, on y est. J'ai plus qu'à y retourner maintenant. Oui! Voilà, retourner à la chambre au sablier dans le passé. Ça tombe bien. Donc, on y est, c'est très bien. Allez, on passe par là. Vous allez voir que le chemin retour sera beaucoup plus court. Bon, évidemment, je me tape encore des pièges. En même temps, t'es dans un mécanisme d'horlogerie. Ça marche pas avec l'opération du Saint-Esprit. Non, pas vraiment. Non. Ils ont bien dû se creuser la tête hein, pour construire tout ça. Aïe. Non. Ah, il y en a encore un. Tu vas où là? Bah c'était pas par là. Je croyais. Oui, ce sera mieux là par là. C'était là. On descend. Alors où suis-je? On descend encore. Eh ben, on continue de descendre. Putain, on avait pas mal monté au final. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas... Là. Très bien. Ah, ben là, on connaît. C'est la plateforme de départ. Quand nous étions arrivés dans le mécanisme d'horlogerie, la sortie est par là. 1, 2, 3, 4. Bois de l'eau. Oh oui, et je vais sauvegarder aussi. Oui, c'est une bonne idée. Nous ne sommes pas à l'abri de bugs. Si vous avez vu l'épisode précédent. Et je n'ai aucune envie de recommencer tout ça. Non, hein. On va éviter. Hop. Allez, la sortie. C'est par là. Il y a une grosse bébête qui est pas contente. Qui est pas content? Je sais pas où elle est, mais... Eh ben, voilà, voilà. Coucou. Loupé. Aïe. Oh. Elle t'a eu, là. Coucher. Ouais, ça fait un peu ça là. Ah putain, le salaud. Oh. Ah, il m'a viré en plus. Oh mais. Oh bon. La vache. Il est coriace hein. Tenace celui-là. Oh là là mon gars. Allez. Tu vas crever maintenant. Ah quand même. Il aura quand même. Il m'aura quand même, ouais, bien bousillé le salaud. Ouais. Heureusement que tu pouvais retourner en arrière parce que sinon tu serais mort. Hein. Ah bah là, clairement, il m'avait foutu dans le ravin. Allez, on s'en va d'ici. Allez, mais qu'est-ce que tu fais?
Ah, tu voulais pas sur la plaque à côté, d'accord. Non, monsieur a des manières. Exigeant, hein. Hop, on va retrouver. Normalement. Ah non, ils sont pas là. Je croyais. Allez, on quitte le mécanisme d'horlogerie. On va revenir dans le centre du temple de l'île du temps. Non. C'était risqué là quand même. Hein. Pas le temps de niaiser. T'as une jolie roue qui t'attend en bas. Une, deux. Hop. Le rideau. Le fameux rideau. J'avais dit qu'il servirait au retour celui-ci. Alors pareil, petite épreuve de rapidité. Allez. Yop. Ok, c'était serré. Ça passe, mais juste, hein. Oh, bien. Et nous revoilà ici. Voilà, voilà. Ah, t'as des amis qui t'attendent. Ah bon? Oui, de l'autre côté, tu ne le vois pas d'ici. Ah, j'ai pas vu. Daka, il m'a trouvé dans le passé. Je n'ai pas le temps pour ça. Ah! Oh oh oh! Il s'est barré le Daka, il a bouffé le... Du coup, on ne saura jamais qui c'est. L'autre. Enfin, en tout cas, pas pour l'instant. Et le Daka s'est barré. Et il nous a retrouvé dans le passé, le salaud. Hein. Il s'est dit, putain, c'est pas possible, je n'arrive pas à le trouver dans ce temps de merde. Demi-tour. Ça, par contre, c'est moins cool qu'il nous retrouve dans le passé. Oui, oui. C'est beaucoup moins sympathique d'un seul coup. Heureusement qu'on arrive... Et ce cher monsieur qui s'est fait bouffer à notre place, j'aimerais bien savoir qui c'est quand même, ça m'intrigue. Et puis depuis le temps qu'on le croise... Et puis là, il est mort, mais en théorie... Ah bah là, oui, il est bien déchiqueté, oui. Le Daka, pas le temps de niaiser, hein. Lui, il te prend, il te bouffe et c'est terminé. Hein. C'est ça. Je sais même pas où t'atterris, dans les limbes du temps, ou j'en sais rien, mais... Tu meurs, tout simplement. T'es censé mourir, tu meurs. Alors ces pièges, on les connaît bien maintenant. Hop, 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 hop. Ils sont forts quand même dans ce palais, hein, parce que franchement, pour vouloir se promener dans les couloirs, faut en vouloir. Hein. C'est clair. Ou alors tu es propriétaire des lieux, tu désactives les pièges. Certes. Mais à part ça... On doit désactiver tous les pièges qu'on voit, nous, sur le chemin. Bonjour. Hein. Faut en vouloir. Allez, le sablier, on y est. Hop. Nous revoilà donc ici. Donc on connaît. J'ai pas eu le temps de voir. On reviendra après, c'est pas grave. Il reste peu de temps, vous êtes prête? J'ai réfléchi, Kaylina. Peu de choses vous rattachent à cette île. Et il y en aura encore moins quand j'aurai affronté votre maîtresse. Venez à Babylone avec moi. Vous pourrez commencer une nouvelle vie loin de cet endroit maléfique. Je ne peux pas, prince. Il m'est impossible d'accepter votre offre. Alors. Le râteau. C'est un peu ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 upgrades de vie. Donc, on a bien la moitié. Il m'en reste pas mal. Bon, ça pue. Allez, bah on va voir notre amie l'impératrice. Je vais juste sauvegarder un petit peu, un petit coup avant, on sait jamais. Ouais. Hein, si je perds dans la grosse souffrance. Vaut mieux reprendre ici, c'est sûr. Ah là là, que de questions! Un peu trop. J'ai hâte de voir l'impératrice aussi. Depuis le temps qu'on en parle, mais qu'on ne sait toujours pas qui c'est.
allons-y. La porte est ouverte. Il y en a qui se font plaisir, hein. Où est l'impératrice? Où sont les sables? C'est elle, l'impératrice. Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes enfermés! Je suis désolée, prince. Seul l'un d'entre nous peut tromper le destin. L'impératrice. Je t'ai dit de partir, mais tu es revenu. Et là, j'ai pensé que si tu pouvais changer ton destin, je le pouvais, moi aussi. Allez, on va en finir. Donc voilà notre fameuse impératrice. Eh oui. En fait, depuis le début, on l'avait sous le nez, quoi. Toi, on n'a plus qu'à se débarrasser d'elle et on aura empêché la création des sables. Ça me paraît un peu simple quand même, hein. Ah. Tu n'aurais pas dû venir ici. Oh putain. Oh les hommes corbeaux. Ils sont beaucoup mieux coiffés, hein. Ils sont beaucoup plus jolis, oui. Oh, ils sont vachement résistants aussi, du coup là. Ah. J'ai cru que tu tapais dans le vide. Oh là là. Ah, la musique est très sympa. Ah, t'es réconcilié, ça y est. Que pour l'instant. Pas abusé non plus. Oh putain. J'ai des affaires plus urgentes à régler. Oh, il va couper mon combo. Là. Allez, allez, descends, charogne. Viens ici. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça commence à devenir lassant. Ouh, t'aimes pas ça, hein? Oh, ah, ça j'aime pas. Oh, tu t'es bien protégé quand même, ça va. Ça va, ça va. Ces coups bas, je les aime pas. Que Shadi te tienne à distance de l'île, et que les tours t'achèvent. J'ai même jeté un sort sur l'épée que je t'ai donnée. Et tu es encore en vie. Elle nous en voulait. C'est clair. Pourquoi faire tout ça? Je te l'ai déjà dit. J'ai vu mon avenir mourir dans ta main. Et toi, j'ai décidé de changer ça. Alors Shadi, c'est la fille en noir, hein. Que tu n'aurais pas. Pourquoi te donner cette peine? Au cas où vous auriez pas compris, parce que c'est vrai qu'on connaissait pas son nom. Hein. La fille en noir. Hein? La fille en noir. Oui, celle qu'on a pourchassée dans le début du jeu là. Oui. Ah! Qui a accosté sur notre bateau. Ah oui, elle! Ah bah on sait d'où elle vient alors. Aïe. Celle qui nous a plombé pendant deux épisodes. Tout à fait, oui. D'ailleurs, elles se sont battues. Oh putain. Là où on l'a rencontrée, c'est elle. C'est vrai, c'est vrai. Un peu d'eau, là, ça fait pas de mal. Ouais, j'avoue. Mais ses vies ont bien descendu aussi, heureusement. Oui, c'est vrai. Si tu continues d'être attentif, ça devrait le faire. Heureusement, j'ai encore mes réservoirs de sable. Oui, tout à fait. Tu peux encore faire tes combos et tout. C'est tranquille. Ça devrait le faire. Ah, dommage. Le dernier n'est pas passé. Encore le coup bas. Non, mais le coup bas, je peux pas le parer, sauf si je me barre, en fait. Aïe. Allez, courage. Il est presque. Ah, je l'ai. Oui. Fais attention, t'as plus beaucoup de vie. Ah merde! Putain, elle non plus.
Allez. Yes. Oui. Je ne te veux aucun mal, Kailina. Mais tout ça doit finir. Tu n'es qu'un pauvre fou. Quoi que tu fasses, tu échoueras. Comme j'ai essayé. Et échoué. Avant toi. Pardonne-moi, Kailina. Oh, j'ai peur. J'ai peur aussi. Je dois rejoindre le présent. Ah, bah voilà, ça y est, on l'a eu. Donc les sables ont été... n'ont pas été créés. Donc du coup, je les ai jamais ouverts. Et donc du coup, la tragédie du Prince of Persia 1 n'est jamais arrivée. Tout s'arrange. Vous voulez vous sauvegarder? Oh oui. Et du coup, on n'a plus de sable, nous, non plus. Hein? On n'a plus de sable, nous, non plus. Je ne pense pas. Ce serait logique. À moins qu'il me reste juste de l'amulette que j'avais. Mais sinon, ah oui. À part ça... En fait, du coup, l'amulette, t'es pas censé l'avoir. Ah bah oui, Farah n'est pas censé me l'avoir donné, mais je l'ai toujours avec moi, parce que je sais pas. Malgré toutes les prédictions, j'ai vaincu l'impératrice et empêché la création des sables du temps. J'ai vaincu le Daaka ainsi que le destin. Il est temps de quitter ce maudit rocher. Eh ben non, c'est pas fini. C'était trop simple. Oh non. Il a vraiment cru que ça allait se passer comme ça. Ah putain, allez, on se casse. Apparemment, ça a l'air de te courir après, hein. Oh non. Oh la vache. Fallait courir. Oh là 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 là, ces tentacules sont juste derrière. Putain que c'est stressant ces passages avec lui. Allez, courage, courage. Là-bas, à la caméra. Ouf. Que se passe-t-il? L'impératrice est morte. Elle n'a jamais créé les sables. Le Daaka ne devrait plus se manifester. Et oui, comment ça se fait? Mais il me poursuit toujours. Qu'est-ce qui n'a pas marché? L'architecte de ma propre destruction. C'est donc ça. L'équilibre du temps ne peut pas être altéré. Allez, approche-t'en. Dans ma quête pour détruire les sables du temps, j'ai été l'artisan de leur création. Afin que ceux qui lisent ceci connaissent la bravoure des hommes qui ont combattu et sont morts pour le Maharaja. Nous cherchions le pouvoir des sables. Presque tous ont péri, moi parmi eux.
Mais le masque des revenants m'a offert une seconde chance de remonter le temps et changer mon destin. Cette fresque illustre l'impossible. Mais le masque des revenants m'a offert une seconde chance. Il me reste un espoir. Tu as eu ta chance d'en finir. Tu n'en auras pas d'autre. Bon, et ben voilà, on devait finir là, normalement. Et ben on en est qu'à la moitié du jeu. D'accord. T'y as cru, hein, t'y as cru. Je trouvais que ça me paraissait un peu simple quand même. Hein. Tu m'avais parlé d'une fin qui allait me plaire. Si ça s'était terminé comme ça, j'aurais été un peu dégoûtée quand même. Bon, non, on n'en est qu'à la fin. On n'en est qu'à la moitié, pardon. Et tu, je te rappelles-tu aussi, l'impératrice a dit qu'elle avait mis un sort sur notre épée. Oui. Et quand on l'a battue, eh ben, elle s'est un peu pétée. Voilà ce qui reste de mon épée. La vache. En gros, de la merde, quoi. Oui, c'est ça. Donc il va falloir que j'en trouve une nouvelle et vite. Bah, c'est toujours mieux qu'un bout de bois. Hein. Ouais, mais ça tranche pas des masses, hein, je peux te l'assurer. Ça va être, je crois même que c'est encore pire que le bout de bois. Hein, donc, Ok, bon, j'ai fait le tour. Là, on a une jolie tombe. On va devoir se casser. On connaît un petit peu plus de notre histoire. On sait un peu ce qui s'est passé, pourquoi, le pourquoi du comment. Exactement. Et on va devoir donc trouver ce masque des revenants. Pour remonter le temps et changer notre destin une fois de plus. Ça fait deux fois quand même, hein. C'est ça. Allez, on nous a encore donné, on nous a déjà donné une chance. Oh putain. On veut en retrouver une. Mais lâche-moi, bordel. Trop loin. Oh là 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 là. Non, 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 non. Ah bah oui, là, forcément. Allez, allez, putain. La corde. À droite. Ouf. Tu vas pas me lâcher. Bon, on actionne ça. Alors, je suis revenu dans la salle où nous étions précédemment. Ça permet de soulever un petit peu plus le la tombe du milieu. Et regarde, j'ai un bloc ici. J'ai un bloc ici. Et la sortie qui se trouve là. Donc, je vais devoir repasser par le passage où j'ai été. Le Daaka a bousillé une grille, je vais pouvoir la prendre. Donc cette fois-ci, je vais pas tout droit, je vais à droite. Oui, ok, si tu veux. Horrible. T'as retrouvé. Oh la vache. À gauche ou à droite? Aucune idée, tu me demandes ça à moi. Oh putain! Oh là là! Oh là 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 là! C'est là qu'on voit le désespoir de Kao qui ose me demander à moi où est-ce qu'il doit aller quand même. Oh, il est juste là en plus. Je vais où la corde? On a une deuxième. Oh là 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 là! Il est juste là, le salaud. Attention! Le levier! Oui! Oh. Putain, tendu, hein!
Ouais. Allez, on se casse de là. Je suis au-dessus de l'image que j'ai trouvée. Hop. Allez, ça monte encore un petit peu. Je peux toujours pas remonter mes vies. J'ai toujours pas remonté mes vies depuis le combat contre l'impératrice. Ouais, non, je trouve ça chaud quand même. Allez, il nous reste un bloc. Donc on repasse par là, une fois de plus. Allez, on est reparti. Il est incroyable. Donc, le temps qu'il te poursuit, je crois qu'il est pas prêt de te lâcher. Non, pas vraiment, non. Donc cette fois-ci, on va à droite. Hein. Oh, mais il est beaucoup plus court, ce passage. Coucou. Bon, il est pas content. Hein. Bon, il est pas content. Allez, active nos leviers, là, comme ça, tranquille. Pouf, eh ben... Oui, comme tu dis, oui. Là, vous avez demandé du Daaka, ben, vous en avez, hein. Allez. Là, normalement, j'ai tout baissé. Hop, ça c'est très gentil. Donc, on va monter tout là-haut, forcément, vous l'avez bien compris. Et direction la sortie. Bon, et on n'a pas montré, mais il a bien utilisé un portail pour remonter le temps. Hein. On est dans le présent. Quand on a battu l'impératrice, on est bien revenu dans le présent. Ah ouais. Ça aurait été pas mal de le spécifier. Ouais, de le spécifier. Si je mets la carte, ils le mettent, hein, qu'on est au présent. Donc voilà, tu vois, bon, j'ai pas fait attention effectivement au décor qui était tout cassé et tout. Mais pour moi, on était encore dans le passé là quand même. Ah, mais j'ai bien fait de dire cet élément. Ah, parce que si on fait très attention, effectivement, on se rend compte que oui, tout est cassé. Mais là, moi, dans le feu de l'action. C'est limite encore, hein. Au revoir! Je pense quand même qu'il va te retrouver, donc... Oh bah oui, ça c'est certain. Ah, de l'eau! Ah super, je vais pouvoir sauvegarder aussi tout ce bazar. Mais ben, là c'était vraiment intense. Hein. Oui, comme tu dis. Surtout le deuxième passage. Méga long. Le troisième, c'était du pipi de chat à côté. Oui. Bon. Une bonne chose de faite et une image. Ouais. Exactement. Alors, on va regarder un peu la carte. Où sommes-nous ? Normalement, nous sommes revenus vers l'entrée de l'île puisqu'on s'apprêtait à partir hein, de cette île. Voilà, nous sommes dans les catacombes à gauche. Bon, alors l'objectif n'est même pas mis à jour hein, parce que là, on est encore sur quitter l'île alors qu'on doit retrouver le masque des morts. Donc, ouais. Pas cool. Ah bah voilà, objectif mis à jour, il suffisait de demander. Voilà, retourner à la salle du trône, donc il va falloir qu'on retourne là où on a battu l'impératrice Kaelina. Il suffisait juste d'avancer de deux pas. Oui, ils disent bien sur la carte qu'il faut être dans le passé. Ouais, il va falloir que je retourne dans le passé, encore une fois. Alors là, avec mon épée qui est pétée, ça va être rigolo. Mais oui, c'est tellement efficace. Allez, dégage. Hop, dégage. Là, j'ai pas le choix que de faire comme ça, sinon... Ouf. Oh, les comiques. Merde. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Allez, hop. Voilà. Ça c'est fait. Allez, on continue. Alors où est-ce qu'il va être ce masque des morts? Pour l'instant, vu qu'on n'a pas de... C'est pour ça qu'il va être retourné à la salle du trône. Vu qu'on sait... On ne sait pas du tout où est-ce qu'il se trouve au final. On oui, sait qu'il vrai. Existe, mais... C'est tout. Oh là, toujours plus. Aïe.
problème, c'est que dans cette configuration-là, je peux pas leur piquer leurs armes. Allez, bousillez-vous tout seul. Tu vas payer ça très cher. Ah, ils sont beaucoup en plus, hein. Oui. Ils sont beaucoup, ils sont tenaces et t'as une arme pourrie. Pété, à souhait. Arrêtez-le. Un de moins. J'ai l'impression, oui. À genoux. Hop. C'est pas loin, mais il est tombé. Hop. Et de 3. Allez, plus qu'un. Oh merde. Oh, il a rebondi. Debout. Là. Allez, ça c'est fait. Ouf. Putain, j'ai que 2 réservoirs de sable aussi. Hein. C'est la dèche complet. Ah oui, là. À gauche, y'a rien. C'est d'où je viens, ça. Oui, c'est d'où oui. Je préfère vérifier, on ne sait jamais. Oh, de l'eau. Une épée. Bon, comment l'atteindre? Ah. Alors déjà, avant de parler de ça, on va sauvegarder. Une jolie épée d'ailleurs, hein. On l'a vite fait aperçu, mais elle a une sacrée lame. On a combien? 42 minutes. Bon, ça va, on peut encore continuer un petit peu. Ah, encore un prétendant. Un prétendant. Après les comiques, les amis, les prétendants. Ça va être moins sympa, ça. Ouais, beaucoup moins. Je peux pas les balancer ceux-là. Non, ça va être compliqué. J'aimerais bien en battre au moins un. Ça va être très long. Et j'aimerais bien prendre une épée quand même. Parce que elle, en plus, elle va m'emmerder. Couper. Elle va se téléporter partout là. Oh! Oh l'échec! L'échec! Oh là là, ça va être dur. Hein. Ouais, c'est très long là. Hein. Je suis bien. Épée de merde! Mais vous allez crever, oui! Oh putain! Il y a tellement de plaisir! Dans la souffrance. Arrêtez-le, il n'aille plus loin. Allez, mais... De toute façon, tant qu'il n'est pas en sable, je suis pas prêt de l'avoir. Venez m'aider. Sois honoré de mourir. Voilà. Une épée... façon de parler, oui. Un jouet. Un jouet, t'es gentil. Hein. Les jouets sont gentils. Hein. Mais elle est passée où? Allez là. Oh. Arrêtez-le, il n'aille plus loin. Punaise. Ah, et puis ils veulent pas, hein. Oui, là tu peux le faire, mais là. Ah, j'ai une idée, merde. Attaquez-le maintenant. Et loupé. Sont les lames qui se là. Ça vous plaît, ça? Allez, punaise. Mais crève. Oh non. Mais vous allez crever. Oh là là. Putain, j'ai l'impression que tu peux les toucher, pourtant. Ben, je les touche, mais elle est tellement pas tranchante que... Ah, il commence à être en sable, lui, ça y est. Urgente à régler.
Yes. Ah. Ah. Pas morte encore. Mais... Ah oui, j'utilise l'autre épée là pour faire ça. Allez, relève-toi. Coriace. Allez, relève-toi. Plaisir dans la souffrance. Mais c'est pas vrai. Et si on en discutait? Voilà. Je balance ça et je garde ça. Ouf. Oh, oh, c'est pas vrai. Oh. Oh là 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 là. Lâche-moi. Mais c'est pas possible. Vas-y, tombe. Chien. On a plus d'épée, elle est même pas en sable. Bah, je vais la faire tomber alors, j'ai pas le choix. Yes! T'avais pas une fontaine? Non, oulala. Tout droit ou à gauche? Ouais, moi je dirais par là. Ah, y a bah non. Non. C'était pas ça. Hop. Oh. Non, mais non. J'étais pas prêt. Fous le camp. Tout ce sable et toutes ces épées. Ouais. Oh merde. Je croyais que c'était une plateforme, mais non. Là. Oh, pénible ces gonzesses, hein. Dans le jeu, bien sûr. Merci. Ah, tu peux pas le nier là qu'elles sont pénibles. Ah ouais, je dis pas le contraire. Oh, regarde qui c'est qui t'attend. Ouais. L'épée est juste en bas en plus. Hein. On la voit pas là, mais non. Elle est en bas. Par contre, on a très bien compris que c'était beaucoup trop haut pour passer. Oui, tout à fait, oui. Ah, ah, un rideau. Je suis en bas. L'épée pour moi. Ça sert à rien de ranger ça. Oh, regarde qui c'est qui t'a retrouvé. Mais évidemment. Mais oh, c'est pas vrai. Ah, oh la blase. Il me fera chier jusqu'au bout lui aussi. Oh non. Pas encore. Bon bah du coup on a plus d'épée. Oh et ces tonneaux là. Oui, 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 oui. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Dégage. Et ne reviens plus. Oh. Eh ben, on a combien là? 49. 49, et ben voilà, on va remonter le temps. Oh, attends, bah je vais pas sauvegarder du coup. Je sauvegarderai dans le passé du coup. Allez, à toi de travailler. Allez, deuxième droite. Non, non, c'est pas ça. En face. En face. Non, non c'est plus, pas ça. Gauche. Non, c'est pas ça. Voilà. Hein. Merde. Au moins, c'est lequel c'est. Merde.
Ah. Non, mais c'est une blague. Oh, attendez, parce que là, il y a un problème. C'est pas ça. Ah bah c'était celui-là. C'était ton deuxième choix. Oh, non, c'était mon premier. Ah, c'était pas en haut à gauche le premier? Non, c'était en haut à droite. Bon bah écoute, vas-y, continue. En haut à gauche. Non. Non. En bas à gauche. Non. Plus. Bon ben en bas à droite. Hein. Laborieux. Comme à chaque fois. C'est pas croyable. Voilà. Allez, devant gauche. Oui. Oui. Alléluia. Et voilà. On y est. Eh ben, on reprend un portail. Allez, retour dans le passé. Le passé. Nantal sort de ça. Bon, je vais gagner quelque chose. Pitié. Oui. Souffle du destin. Ce pouvoir vous permet de lancer une attaque au sol encore plus puissante que brise du destin. Utilisez ce pouvoir quand le prince est encerclé. Blablabla, blablabla, c'est pareil. Juste une rafale beaucoup plus puissante. Ouais, c'est ce que je disais, ils sont un peu radins en pouvoir nouveau, je trouve. C'est vrai. Oui, parce qu'à part les améliorer, c'est tout ce qu'ils font. Bah, c'est ça. Le ralenti et puis remonter le temps. Ça, c'est des classiques. C'est ça. Voilà, bon, je vais pouvoir sauvegarder et mettre fin à cet épisode. Voilà. Bon, on est quand même pas mal embêté là. Hein. On est vraiment dans la grosse merdasse, hein, comme on peut le voir. Oui, tout à fait. Le Daaka qui, là, il est vraiment à fond là. On l'a jamais autant vu. Et toujours à la recherche de ce masque des morts dont on ne sait pas où il pourrait se trouver. Pour l'instant, notre seul indice, ce serait de retourner dans la salle du trône pour peut-être en savoir plus sur sa localisation. Peut-être. Peut-être. Mais pour l'instant, c'est le seul objectif qu'on a plutôt. Et nous sommes dans les prisons de l'île du temps. Voilà, en bas à gauche, prison passée. Voilà, bon j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça t'a plu aussi. Tout à fait. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, et on vous dit à bientôt pour la suite de cette trépidante aventure sur Prince of Persia, l'âme du guerrier. Salut à tous. Salut tout le monde.